Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS All Star Club pour parler des news de la semaine qui vont démarrer jeudi matin, donc à partir de demain, et qui termineront jeudi prochain, donc la semaine du 9 au 16 mai. On est parti pour tout ce qu'il faut savoir de cette nouvelle semaine. Allez, on attaque avec les véhicules exposés cette semaine dans les différents salons et concessions, et on démarre avec le salon de l'auto et les véhicules de la semaine. Et on démarre donc avec la course au prix où cette semaine vous aurez la possibilité de gagner la Vapid GB200. Ensuite, les trois véhicules à laisser cette semaine au salon de l'auto sont la Bravado Verlierer, la Enus Paragon R ainsi que la Oslot Locust. Et pour terminer, concernant le garage HSWA au Special Work, vous aurez cette semaine en exposition la Impont Arbiter GT. Ensuite, on passe au Diamond Casino and Resort et voici le véhicule qui sera à gagner grâce à la roue et son podium. Et donc cette semaine à la roue du casino, vous aurez la possibilité de gagner la Anis Euros. On passe ensuite à la concession de Simeon, où comme chaque semaine, dans sa concession, 5 nouveaux véhicules sont exposés. Et voici les 5 de cette semaine. Donc les 5 véhicules de cette semaine en exposition chez Simeon sont la BF Bifta, la Lampadati Viserys, la Oslot Swinger, la Pegasi Bati 801 RR, et pour conclure, la Vulcar Warrunner. Autour des véhicules en exposition cette semaine, on va parler de la concession Luxury Auto et des deux véhicules de la semaine. Et en expo chez Luxury Auto, donc vous aurez la Grotti Turismo Omaggio ainsi que la Vapid Dominator GT. On démarre avec les promotions à moins 40% cette semaine. Et chez Legendary Motorsport, vous aurez la possibilité d'acheter la Torero XO de chez Pegasi à moins 40%. Toujours à moins 40%, vous aurez aussi la possibilité d'acheter la Grotti Furia. Une direction d'Octis où on va avoir quelques promotions. On va aussi avoir des promotions sur le Yacht Deluxe Galaxy qui sera donc à moins 30% cette semaine. Donc vous aurez juste à choisir vos yachts et vous aurez donc les améliorations et modifications qui seront aussi à moins 30%. Toujours chez Doctis à moins 30% cette semaine, vous aurez aussi le Lampadati Tour, le Kraken, le Pegasi Speeder, le Dinka Marquis, le Shih Tzu Jetmax. À moins 30%, vous aurez aussi le Shih Tzu Longfin. Ensuite, sur Warstock Cash & Carry, vous aurez la possibilité de récupérer le Sonar pour le Kosatka cette semaine à moins 30%. Pour conclure avec les véhicules, vous aurez deux promotions sur deux véhicules qui seront en exposition et que vous ne pouvez pas acheter sur les sites d'achat. Et ça concernera donc la Oslot Locust qui sera à moins 30% ainsi que la Oslot Swinger qui sera elle aussi à moins 30% cette semaine. On passe maintenant aux réductions concernant le Gun Van et comme chaque semaine, il y a donc deux réductions. Et donc pour tous les joueurs cette semaine via le Gun Van, vous aurez la possibilité d'acheter la hache de guerre à moins 30%. La promotion concerne uniquement les joueurs qui ont l'abonnement GTA Plus et à moins 40% cette semaine, vous aurez la possibilité d'acheter la SMG tactique, donc la mitraillette tactique. Aux activités, les activités en ligne, dans les activités créées par Rockstar et les missions, vous aurez les activités sur mon yacht. Les missions seront doublées en RP et en GTA Dollar pour tous les joueurs et en quadruple pour les joueurs abonnés au GTA+. Ensuite, en double RP et double GTA Dollar cette semaine, vous aurez aussi les mâles cachés. Et en triple RP et triple GTA Dollar, vous aurez l'activité de mode rivalité extraction. Pour conclure, en vous promenant dans le mode libre cette semaine, vous aurez la possibilité de trouver des peyotes aquatiques et donc de pouvoir vous transformer en animaux aquatiques, tout simplement. Pour conclure, dans cette vidéo, on va parler des véhicules de la case de cette semaine et des trois braquages. Et donc, voici les trois braquages et les trois véhicules de cette semaine. Donc, cette semaine, au niveau de la case, vous aurez trois braquages. Le premier sera le podium du casino, où vous aurez la possibilité de voler la Overflow Autarche. Ensuite, vous aurez le braquage de McTony avec le sous-marin, où vous pourrez récupérer la Dinka Jester classique. Et pour terminer, vous aurez le braquage du cargo, où vous pourrez voler le Anis et Lyon. Voilà les breakers, c'est donc la fin de cette vidéo, activité, promotion et bonus de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire, à lâcher le pouce du soutien, c'est très important. Vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. Ciao.